Salut à tous, c'est CartmanSP et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 du Let's Play sur GTA San Andreas. Donc et aussi je me suis acheté une nouvelle manette de Xbox One comme vous pouvez voir. Donc maintenant bah je jouerai plus avec celle de PS4, enfin j'y jouerai encore mais sur la console quoi, sur la PS4. Donc c'est parti, on y va. Donc c'est une mission chez Big Smoke en fait, toujours. Donc on y va. Et c'est tellement mieux de jouer qu'une manette de One. J'aime bien aussi les manettes de PS4, mais je veux dire c'est tellement mieux parce que bah avec la manette de PS4 j'avais des problèmes avec DS4 tout, ça allait vraiment pas. À chaque fois il fallait que je supprime ma manette, le périphérique, et que tout simplement je le remette, enfin que je la rebranche, que là j'ai juste à brancher et c'est bon, c'est terminé, je peux jouer. Donc c'est vraiment nettement mieux. Et en plus bah je la trouve sympa, même si j'en ai déjà eu une. Allez c'est parti, Running Dog, c'est parti. Asshole. Yo, Carl, see you around. The fuck they doing over here anyway, punk-ass police? Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The game is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Mexico. I gots to go scoop her up. Alright then, come on. Allez, c'est parti. Monte dans la caisse de Big Smoke, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme mission? Emmène Big Smoke au rendez-vous. Si t'as besoin d'une arme, va chez Emmett. Est-ce que j'ai une arme? Attends, j'ai une arme ou pas? Get it. Non, c'est bon. What you want me to roll with you for anyway? C'est bon, j'ai assez de munitions dans dans mon arme. Oh, yeah. Yeah, man, just cool out, homie, just chill. Your cousin coming here from Mexico. Yeah, me and her go way back, way back. Ah, Smoke, you full of shit. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Je me demande d'ailleurs s'il y a une vue volant dans le jeu là. Je vais regarder. Ah non. On va se mettre comme ça, comme d'habitude. Pas de vue volant, c'est dommage. Mais je pense qu'avec un mode ou quoi, on peut le rajouter, ou même avec un traîneur. D'ailleurs, faudrait vraiment que je regarde pour trouver un traîneur pour San Andreas. Ce serait plutôt bien, pour l'argent surtout. Donc on y est, c'est bon, ça n'a pas été trop long. Ok, my cousin Mary's in there. Sweet, sticky, bud fresh off the plantation. Here, pull up here, let me do the talk. Man, I should have known. Hey! Excuse me, Jose. Yo soy el grando smokio. And I want that grass. Comprende? Hey, fuck you, cabron. What? Now that ain't nice. Coffeeo up el weedo before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Man, let me get to here. Fuck this, man. Fuck this. Get him, Smoke. Yeah, yeah, get that shit now. Get him. What you talking about? Ah! Yeah, motherfucker, Big Smoke. Remember that name. Putain, il a mis un coup de batte, quoi. Alors. We gotta stick with him. C'est parti. Maintenant, on va devoir le courir après, je pense. I ain't built for this shit. Bah, on va devoir le courir après, à mon avis, le tuer ou, ouais, ou les tuer. Poursuis le gangsta. Ouais, c'est parti. Faut le tuer ou pas? Ou faut juste le poursuivre en fait? Qu'il précise pas. Putain, 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 putain. Heureusement que j'ai esquivé. J'ai couru assez vite. Je peux me faire écraser. Ah, fallait le tuer. Ah bah ok. Moi j'ai couru après pendant 20 km. Fallait le tuer en fait ce con. Mais c'est tout. Il y a juste à faire ça. Running Dog c'est tout, c'est cette mission. On ramasse du fric, ça fait toujours plaisir. Il n'y a pas une arme là. Non, il n'y avait pas d'arme. Ouais, voilà, bah, la mission elle est déjà terminée.
Bon, on va retourner quand même en faire un petit tour en voiture, en vitesse. Un petit tour tranquille. Donc oui, pour les gens, parce que j'ai vu un commentaire sur l'épisode 13 d'un abonné qui voulait, qui m'avait dit, ouais, ce serait bien de faire des tunes de caisse de temps en temps. Ouais, bah maintenant ça va être possible parce que j'ai pu, enfin j'ai, comment dire, j'ai tout simplement pu, comment ça s'appelle déjà, remplacer les fichiers de mon GTA 5 PC, quoi. En gros, tous les deux mois, à chaque fois qu'il y a une mise à jour sur console, une mise à jour sur PC, et pendant une semaine, on peut plus jouer avec le trainer, avec les mods, etc. Et maintenant, c'est réglé, donc ouais, maintenant, bah, il va avoir les tunes ma caisse vont réapparaître. Donc, je pense que je vais faire, c'est qu'un jour sur deux, je ferai un tune ma caisse. Donc, par exemple, je vais vous citer un exemple. On est lundi. Le lundi, il y aura un tune ma caisse. Le mardi, il y aura un Let's Play à San Andreas. Le mercredi, il y aura un tune ma caisse, etc., etc. Donc, voilà. Bah, c'est un exemple hein, quand je dis lundi, mais ce sera un jour sur deux en fait. Ce sera un petit peu mieux, on va dire. Comme ça, il y aura pas que du let's play, parce que c'est vrai que tout le temps des let's play, c'est chaud, quoi. Même moi, c'est pas que ça me saoule, parce que moi, j'aime bien refaire San Andreas. En plus, en vidéo, c'est cool. Donc, pourquoi pas faire un jour sur deux San Andreas. Et l'autre jour, tune ma caisse, ça peut être plutôt sympa. Et pourquoi pas faire d'autres jeux, après, je sais pas trop, parce que j'ai pas mal de jeux. J'ai la Xbox One, hein, comme vous savez, et j'ai des jeux aussi dessus. Mais le problème, c'est que sur la Xbox One... je peux pas rec plus de 5 minutes, sachant que bah, sur la One on peut pas rec plus de 5 minutes, contrairement à la PS4 où là on peut rec pendant une heure, même ouais une heure. Là sur la One c'est 5 minutes max, donc ça va être compliqué sur la Xbox One de faire des vidéos. Et faire des vidéos de 5 minutes c'est pas intéressant. Donc pourquoi pas faire des vidéos aussi sur PS4. Et j'ai aussi pas mal de jeux Steam sur lesquels je pourrais faire des vidéos, c'est juste que bah je sais pas, il faudra que je m'y mette, que j'essaie de vous faire d'autres vidéos sur certains jeux. Ça pourrait être sympa, un peu diversifier ma chaîne. Je trouve que ça pourrait être sympa. Donc, on va retourner à Groove Street. Donc, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur différents jeux. Moi, il n'y a pas de problème, je vous les ferai. Hein. Parce que moi, j'ai pas mal de jeux sur PC. Sur PS4, j'en ai quelques-uns aussi. Sur One, j'en ai, mais... Enfin, j'en ai pas beaucoup sur One, mais j'ai Forza Horizon 3 sur One, je vais avoir Forza Horizon 4, mais le problème c'est que je peux pas rec plus de 5. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, enfin ce petit let's play, l'épisode 14 de San Andreas vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et pourquoi pas de la commenter. Moi je vous dis salut à tous.